Bienvenue, mes frères et sœurs. Nous entamons par cette vidéo une série de cours sur le thème des califes de bonne guidée. C'est de Médine illuminée que l'islam a pris son essor. Cette ville a accueilli les plus grands des compagnons que Allah Ta'ala les agrée, tels que Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ils avaient beaucoup de science et ils ont su guider les musulmans. Nous allons dans notre série de rappels énumérer quelques récits. Alors suivez. Sachez, mes frères et sœurs, que le premier des califes fut notre maître Abu Bakr. Il est le meilleur des compagnons et il était le premier homme à être entré en islam. Parmi ses nobles qualités, notons son indulgence, son courage et sa générosité. Il a été désigné comme premier calife la 11e année de l'Hégire. Les compagnons ont tous été unanimes sur son califat. Il est le meilleur des humains après les prophètes. Il était un pieux, vertueux. C'était quelqu'un qui veillait à ce que ses actes soient en conformité avec la loi de l'islam. Omar ibn al-Khattab a témoigné des mérites du premier des califes en disant: le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait ordonné un jour de donner des aumônes. Cela avait coïncidé avec de l'argent que je possédais. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais surpasser Abu Bakr en générosité, s'il se peut que je le surpasse un jour. J'ai ramené la moitié de mes biens, et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, ma abqaita li ahlik, ce qui a pour sens, qu'as-tu laissé à ta famille? Je lui ai répondu, la même chose que je donne là. Abu Bakr a alors ramené tout ce qu'il possédait. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma abqaita li ahlik, ce qui a pour sens, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il lui a répondu: je me fie à Allah. Et j'ai dit: je ne pourrai vraiment jamais faire mieux que lui. Ceci a été rapporté par Tirmidhi. Notre maître Abu Bakr était le meilleur et le plus intelligent des compagnons. Il était également très généreux et se fiait entièrement à Allah Ta'ala. Lorsqu'il sentit la mort approcher, il a consulté les compagnons afin de désigner son successeur. C'est Omar ibn Khattab qui a été choisi après environ 2 ans de califat. Alors qu'il était âgé de 63 ans, notre maître Abu Bakr est décédé suite à une maladie. Que Dieu vous accorde, ainsi qu'à moi-même, de suivre l'enseignement que nous ont donné les vertueux de parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème des califes bien guidés. Nous parlerons, incha'Allah, de notre maître Omar ibn Khattab. Barakallahu fikum wa salam alaykum. أصحاب الم